Le socialiste Lénin Moreno sort en tête du deuxième tour de l'élection présidentielle en Équateur. Selon un résultat partiel diffusé par le Conseil national électoral, Lénin Moreno rassemble autour de son nom un peu plus de 51% des suffrages exprimés et devance son adversaire de droite, l'ex-banquier Guillermo Lasso. Le résultat de l'élection est serré et les deux hommes ont dans un premier temps annoncé l'un et l'autre être victorieux. Guillermo Lasso a par la suite contesté les résultats partiels annoncés et réclamé que les bulletins soient à nouveau comptés. Au premier tour du scrutin, Lénin Moreno avait obtenu plus de 39% des voix, soit plus de 10 points devant Guillermo Lasso. Le résultat officiel du deuxième tour sera rendu public dans la journée, une fois la totalité des bulletins dépouillés.